Yo tout le monde, c'est Lit. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online qui sera composée de deux wallbrushes plutôt sympathiques qui vous permettront tous les deux d'être invincibles. Donc ils sont vraiment cool et utiles à partager car les deux seront vraiment bien situés sur la map. Juste avant que les démonstrations ne commencent, je vais vous inviter à lâcher un petit like sur la vidéo et à commenter pour donner votre impression sur la vidéo. Ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps et ça m'aiderait énormément si vous réalisiez ce petit geste. Je vous remercie déjà d'avance, bon visionnage. On passe tout de suite au premier wallbrush, donc pour le réaliser c'est très simple, rendez-vous au même endroit que moi sur la map. Donc c'est un pont au-dessus de l'autoroute du centre-ville. Vous allez descendre d'un petit niveau comme moi, je vous conseille vraiment de descendre par le même endroit sinon vous allez tomber par terre en dessous de l'autoroute et ce serait vraiment gênant. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir prendre un peu d'élan avec votre personnage et courir en direction du petit mur dans la vidéo. Et vous allez pouvoir remarquer tout comme moi que vous avez bien passé le mur. Donc vous allez tomber dans une zone plutôt sympa qui vous permettra d'être invincible, invisible et de pouvoir tuer les autres personnes. Sans plus tarder, on va passer au deuxième wallbrush qui lui se réalisera un peu plus au sud de la map. Ce sera juste à côté du jeu Santos Custom qui longe la plage. Donc il est pas loin de l'aéroport et ça peut donc être vraiment cool. Pour faire comme moi, rendez-vous à cet endroit de la map, la chose obligatoire qu'il vous faudra, ce sera une moto, peu importe la marque, il faudra quand même à tout prix une moto. Ça marche certainement avec un vélo, un BMX ou un VTT, même si je n'ai pas essayé, ça reste quand même à tester, donc vous pouvez le faire chez vous et me le dire dans les commentaires si ça marche ou pas. Une fois mis tous les éléments, on met ça dans un shaker, on mélange encore et ça donne un wallbrush. Donc il est vraiment sympa à réaliser, c'est pour ça que je vous le propose. Donc comme je vous le disais, avec votre moto ou du moins votre véhicule de faible largeur, peut-être comme un VTT ou un BMX, vous allez passer et rouler dans cet endroit du mur de ce bâtiment, autrement dit entre l'extrémité du mur de droite et l'échelle, vous roulez entre ces deux éléments et vous pourrez donc apercevoir que vous êtes dans ce grand bâtiment où vous demeurerez invincible. Merci à tous de regarder cette vidéo, cette dernière touche à sa fin, donc si elle vous a plu, je vous invite à tout prix à lâcher un petit like et un commentaire pour réagir et donner votre avis. Et si vous êtes vraiment gentil, je vous autorise à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ce sera vraiment propice à mon évolution. Merci à tous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gamers!